Alors salut, du coup sur la première question, comment la protection de l'enfance s'est-elle organisée pendant la période de confinement? En fait, il n'y a pas eu vraiment d'organisation globale, il y a eu des organisations locales, des adaptations individuelles, les choses se sont un petit peu, il y a eu la première étape de sidération, et puis les choses se sont mises en place un petit peu individuellement, parce que tout le monde était un peu confiné, il a fallu aller travailler aussi en présentiel. Donc chacun s'est organisé pour être sur ces deux choses-là, selon évidemment son métier et ses missions. La PMI a beaucoup fonctionné, les services sociaux de quartier se sont mis en service social d'urgence. Voilà, il y a eu quand même les maisons d'enfants, le foyer de l'enfance et les assistants familiaux qui ont dû à la fois se confiner, par exemple, avec les enfants qui leur étaient confiés, mais aussi leurs propres enfants parfois. Qui ont dû travailler avec leur matos perso, les ordis, les tablettes, etc. Ça a été le cas pour les travailleurs sociaux aussi qui ont dû travailler à distance. Voilà, donc il faut saluer l'engagement des professionnels qui ont vraiment fait preuve à la fois d'une vraie volonté de faire vivre le service public et l'accompagnement des plus fragiles, et à la fois leur capacité d'adaptation pour faire face à ce truc-là. Vous savez qu'on nous avait prédit au départ des lames de fond, que ce soit pour les IP, pour les violences conjugales, etc. Voilà, a priori, elles n'ont pas eu lieu, enfin, du moins, elles ont été plutôt faibles, moins importantes que ce qu'on a pensé. Voilà. Alors, la deuxième question, c'était quels enseignements tirer de la période, que ce soit pour les travailleurs sociaux ou pour la politique départementale en matière de solidarité, etc., le service public, tout ça. Tout d'abord, souvenons-nous, au mois de mars, au moment où il y a le confinement, on s'est tous dit qu'au niveau de la protection de l'enfance, ça allait exploser dans les maisons d'enfants, dans les familles d'accueil, au foyer de l'enfance, etc. Que ça tiendrait pas 15 jours, que ça allait être massif, etc. Rien de tout ça ne s'est passé en réalité. Il y a eu des difficultés, je dis pas que tout n'a pas été rose, bien évidemment, mais l'engagement de tous les acteurs du travail social en matière de protection de l'enfance a permis vraiment que les choses se passent plutôt bien, même s'il y a eu quelques difficultés de ci, de là, mais tout s'est plutôt bien passé. Pourtant, quand même, cette période de confinement, elle a mis un petit peu en exergue le fait que de nombreuses familles étaient en difficulté, étaient isolées, étaient victime de la fracture numérique aussi, parce que comme on a dû travailler un petit peu autrement, on s'est rendu compte que c'était aussi compliqué de travailler à distance parfois, etc. Bon, voilà. Donc voilà. Ce qui est intéressant dans cette question que vous posez, c'est que vous limitez la solidarité à la politique départementale. Et ce qu'a montré la crise, c'est qu'au moment où les acteurs qui sont dans la vie les plus précaires, je parle de la CAF, de la sécurité sociale, etc., voire même du conseil départemental, arrête sa chasse à l'individu, c'est-à-dire on arrête de suspendre les droits, etc. On voit bien que les travailleurs sociaux sont utilisés autrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas été embolisés sur la gestion des prestations, aïe aïe aïe, vous avez plus de RSA, vous avez plus de sécu, vous avez plus de machin. On a eu très très peu ce genre de questions parce que les institutions se sont mises dans le sens du service public. Et on dit non, ce qui nous. Se sont dit, on va essayer de préserver, on va essayer de préserver le pouvoir d'achat entre guillemets des plus précaires, parce que dans ce moment, il est quand même extrêmement important. Il est toujours important, mais enfin, là, il était d'autant plus. Et donc, on voit bien qu'à partir du moment où les institutions comme la CAF, comme la Sécu, comme la DDCS, etc., se sont mis à essayer de protéger, de participer à la protection des plus fragiles, réellement, on a pu travailler les choses différemment avec les personnes et travailler sur d'autres aspects, ce qui était finalement pas si inintéressant que ça. Enfin, voilà, il y a toujours, par contre, cette histoire, c'est que le monde du travail social, aujourd'hui, il va falloir qu'il se renouvelle, il va falloir. Lui permettre de se renouveler, c'est aussi reconnaître sa place singulière, c'est aussi la reconnaître, lui offrir une reconnaissance en termes de salaire, c'est aussi lui offrir une reconnaissance en termes de moyens, parce que pour innover, il faut avoir des moyens. Et ça, c'est vraiment le vrai chantier qui s'offre à nous. Voilà.
protection de l'enfance est un secteur en tension depuis des années. Comment imaginer un retour à la normale? Alors, on n'imagine pas vraiment un retour à la normale. En fait, on ne souhaite pas de retour à la normale. C'est effectivement un secteur qui est en tension, mais c'est un secteur qui est mobilisé depuis maintenant plus d'une année sur ses conditions de travail et sur les conditions d'exercice de la protection. Il faut quand même s'imaginer que aujourd'hui, la protection de l'enfance, elle est devenue très technocrate, peu innovante, peu réactive, assez lourde, assez protocolaire, etc. Et souvent sous le sceau de la responsabilité, ben du coup, tous les acteurs sont de plus en plus figés. Donc effectivement, c'est plutôt un retour à la tension qui va exister là. C'est pas un retour à la normale, c'est un retour à la tension qu'on a connue juste avant et qu'on souhaiterait aujourd'hui, voilà, qu'on souhaiterait évacuer parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Donc pour ça, ben, il faut que le travail social et la protection de l'enfance redeviennent créatives, innovantes, souples, qu'elles s'adaptent aux situations, qu'elles puissent mieux accompagner les familles et les enfants confiés, les mineurs non accompagnés d'ailleurs aussi, qu'on a tendance souvent à oublier. Et pour ça, ben, il va falloir donner un peu plus de moyens, se pencher concrètement sur les exercices professionnels, reconnaître les professionnels qui l'animent, parce que ce n'est pas non plus le cas. Voilà, je pense qu'il y a, il y a un secteur à mettre à plat parce qu'on a bien vu l'utilité qu'il pouvait avoir au moment d'une crise comme nous venons de le connaître.